retour sur le plateau de C'est à vous la suite. Oui, il y a une chronique culte ici, François Berléon, qui est la chronique d'Emmanuel Maubert, dit la Tata, qui est la chronique télé. Et cette chronique fait vraiment... Participative. Chronique participative. Ah oui, François Berléon est notre invité. Oui, François. Là, oui, j'attends la chronique télé. À vos côtés, Amandine Bourgeois, qu'on est ravis d'accueillir. L'Eurovision 2013, c'est elle. On va y revenir. Ah oui, puis j'attends avec impatience. Hein, ouais. Mais c'est vrai, on en parlait justement à l'instant de l'Eurovision, qui n'est pas forcément un exercice facile en plus. Juste avant aussi, Amandine qui est à vos côtés, on vous connaît bien sûr parce que vous l'avez dit à François pendant la pause, vous avez décroché cette énorme place de finaliste et vous l'avez même remporté la Nouvelle Star en 2008. Et vous allez nous représenter au 58e concours de l'Eurovision. La finale sera retransmise en direct sur France 3 le samedi 18 mai. Comment est-ce qu'on fait pour devenir, comme vous, candidate à l'Eurovision? Comment ça se passe, en fait, quoi? Je pense que... Comment ça se passe On a donné votre nom Comment j'ai été sélectionnée? En fait, mon manager m'a proposé, sans m'en parler au départ, à France Télé. Ensuite, il y a une commission qui écoute 18 chansons à l'aveugle. Ouais. Et ils en choisissent 5 parmi les 18. Et après, il y a un vote à majorité. Et donc, ma chanson a été votée à majorité. À majorité. Voilà. Votre chanson, c'est justement L'Enfer et moi, que vous allez nous faire le plaisir d'interpréter tout à l'heure. C'est la première fois que vous allez la chanter en public. Hein. Oui, c'est la première, première. Mais vous avez la pression ou pas? Parce que ce concours, c'est quand même énorme. D'un côté, c'est vrai, le disait François, il y a toujours une connotation un peu ringarde. Et d'un autre côté, moi, j'ai l'impression qu'on fait des efforts pour prendre des gens un peu branchés, qui sont dans la lumière, jeunes comme vous. Moi, je me souviens de Sébastien Tellier, qui avait participé à l'Eurovision. Moi, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait proposé, la chanson. Et je trouve qu'il a justement, il a apporté ce côté branchouille qui manquait. Il y a Bonnie Tyler aussi en face de vous, 61 ans. C'est ce que je vous avais dit. Elle a un peu changé, la Bonnie. Je parle pas du montage. Voilà, mais bon. Nous, la chance qu'on a, Amandine, c'est... Je ne moque pas de Bonnie Tyler. Non. Parce qu'on a le même âge. Moi, j'adore ça. Oui, mais attendez. Nous, on ne dit pas ça. On dit on attend de voir ce que ça donne au niveau de la voix. On n'a pas été que... Non, mais moi, c'est une fierté aussi d'être face à des concurrentes comme Bonnie Tyler. Il y a du lourd, mais c'est pour ça que ça va être regardé, je pense aussi. Les parce Beatles, que les... ils ont fait l'Eurovision. C'est ça, on s'amuse. C'est le live tout de suite, c'est à vous, Amandine. Merci, regardez. Allez. Ok. C'est le live donc avec Amandine Bourgeois qui sera notre cheftaine, celle de la France à l'Eurovision, évidemment, sous les yeux ébahis de François Berléand, qui regarde aussi vos choristes rentrer. Je rappelle que L'Enfer et moi est disponible dès aujourd'hui sur les plateformes de téléchargement légal. Et vous serez d'ailleurs le 18 mai, donc en finale de l'Eurovision. Ouais. C'est à vous quand vous voulez. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles. Tu m'as mis KO d'entrée. Il faut croire que j'ai bien aimé. Lien de cuir et main de soie. Qui blesses-tu dans quel port? Jusqu'à faire rougir l'aurore. Tu m'as jeté comme un sort. Je vais te faire l'enfer de là où tu te perds. Regarde bien derrière et ce sera moi. Tu m'as fait pleurer à vif. Mon cou porte encore ta griffe. J'aimais changer de peau. Nos limites, c'est un classique. J'aimais nos amours toxiques. Celles qui font que tout est beau. Je vais te faire l'enfer de là où tu te perds. Regarde bien derrière. Je vais te faire l'enfer
Attention, merci François. 1, 2, 3. Tu vas manquer d'air.